Est-ce qu'on branche la bouche de James Sissé dans la avec China? Monsieur, il branche le chiffonnier. Pour Mercedes, moi là, comme ami là, avec beaucoup de garçons ça, et même toi, sous bien des domaines, Jeff Ozama, et président CMS International qui sont en compagnie de construction, ancien président de la Chambre de commerce haïtienne américaine de Floride, et puis actuel directeur exécutif Fondation Mandoudou, Fondation qui a fait un pile bas à la communauté noire. Ok, donc. Bon, c'est que ma femme nous tout à monter là, ok, pour nous présenter nous Jeff Lozama. Nous avons tous les sons là. Ok, now it's good, now it's good. Yeah. Now it's good. Okay. So, sorry guys, nous avons tous les sons, nous résoudons ça, bien rapide. Donc, nous avons monté là, qu'on est en bon, vous et message à lui, bah, tout le monde là. Ok, so, now, oh, I think I made a mistake, I sent to the wrong crew. But Jeff, ou ka komanse fò ti pale pa sa. Bon, et James comme nous on bien content que ou vinn nan pouk noua. Et mon cher comme de nou matin par téléphone et bien content que c'est premier haïtien qui se retrouve là, bienvenue et pas seulement nan États-Unis d'Amérique mais surtout nan la konou qui la konou ki Miami, on côté que nous très fier de lui et alors nous toujours fier pour nous dire que Miami c'est capitale diaspora malgré nous on est au gagné en quantité de monde haïtien la Chine on 50 d'autres pas c'est 40 50 50 bon mais quand même est compatible avec l'autre zone côté haïtien regroupé en pile ma mérité à deux et tout pour toujours capitale diaspora. Il y a définitif. En fait, moi d'accord avec ça parce que ma mère la gagne plus monde. Pas mentir là ça. C'est pas plus monde seulement. Il y a plus monde seulement. On dit que Miami nous gagne chance pour te organiser nous comme un groupe de immigrants et donc comme t'as dit tout à l'heure en forme de anecdote parce que qu'il y a et le Miami était le premier groupe haïtien qui est entré là dans la fin 78 et fin 70 entré dans 80 et surtout avec type de monde que nous avons un côté monde de sorti géographiquement on a dit que tout le monde qui était sorti Miami et qui tout le monde était Haïti c'est monde qui était entré sorti dans fond nord dans des provinces dans des zones rurales et c'est première fois que on découvrir une ville. Ok. Notre Miami. Donc, nous connaissons avec ça tout, que nous venons avec propre culture par eux, nous venons avec peut-être et propre capacité par eux. Et puis, donc, nous sommes aussi de une communauté, ça nous une communauté de bold people. Et je dis, on l'a pour qui ça? On vient pour événement. Pour événement. Honorer des professionnels, des jeunes professionnels. Donc, nous avons dit que nous avons soutenu nos deux communautés de bold people qui parlent, pas les 80-82, mais à une communauté de professionnels. Ok. C'est ça fait fierté, Miami. Nous avons évolué, nous évoluons en pile pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là, nous évoluons en pile. Et nous n'avons pas été fier de lui, c'est parce que l'on regarde les parents, ça, autour. Donc, il y a des jeunes qui ont déjà rencontré Miami, nous avons honoré dans les derniers jours, dans l'événement, ça. Merci publiquement. Merci de me faire ça à plusieurs reprises. Oui, oui, oui. Merci un peu. Car les jeunes, ça, c'est des jeunes, ça nous est des first generation, comme si c'est premier au Conde. C'est premier qui est dans le collège, et qu'on y a là, ou des jeunes, ça, qui viennent, c'est au caroca, c'est au docteur, c'est au comptable. C'est des professionnels qui vraiment en demande dans la société américaine. Là. Donc, et Miami, l'opportunité pour le produit. Ok. C'est le monde, ça. Ok. Donc, ça, et tout le monde, c'est pratiquement des. Et tout le monde qui est good people. Yo. C'est petit pot people, en grande majorité, c'est petit pot people. Et nous avons des histoires fascinantes, nous avons des histoires extraordinaires, des jeunes, pour ça que parents, pas de guerre, parents, ils seuls, ça a été connu, que font petit tu as une bonne éducation. Ok, parents, pas de même qu'à participer dans le progrès, ou bien au cas de même dans l'école, si vous n'avez pas de même qu'à participer dans des timons faire devoir. Et on regarde il y a plus de timons à au Canada Ivy League School et en plus là dans c'est Harvard il y a plus là dans qui gradué il y a plus là qui gradué dans le top school on parle de la fin du beaucoup c'est donc et encore c'est ça fait que nous toujours parler de résilience haïtienne et nous toujours parler de comme si point fort du côté haïtien même le que haïtien pas connu même les tiens ce que petit
pour le petit nous bail demain. Nous bail demain. Ya, ça a présenté. Ça c'est pas mentir, ça est pas mentir, parce que ça n'a pas en tout. Donc et nous fait brancher là, bon c'est en pile nous fait brancher là, OK, en pile monde dit OK, on va bien tendre nous connait là. OK, donc m'a choisi quelques OK. Et merci en pile princesse tout le monde qui branché au fait nous connaît qui côté nous branché d'ailleurs mais connaît qui côté nous branché OK si nous branché Chili si nous branché République Dominicaine si nous branché Haïti mon mami mio mami là OK donc nous là comme ami pour mon mami mio OK so Jeff parlez-moi un peu de vous-même quand vous sorti Haïti depuis qu'il est mami et avec ballon de enfance jusqu'à ce que en France moi donc moi c'est moi fier pour me dire comme c'est petit pasteur Lozama et un pasteur qui était bien connu en Haïti nous sorti de c'est mon dans sud et par c'est mon plaisance du sud maman c'est mon dans zone Morancy moi même fait Cavaillon et nous fait parcours nous à travers pays tantôt nous t'es pas sorti bout de plaisance du sud nous pas son bout de Jérémy et puis notre Port-au-Prince nous fait primaire moi Port-au-Prince mais juste après primaire moi traversé les États-Unis. OK. Donc, aux États-Unis depuis très longtemps. Et là, je fais tout et peut-être au cas de classe secondaire, moi, là, maintenant, au collège. Et moi, Miami, depuis dans les débuts 80. Donc, je fais. Ça, beaucoup fait, non? Non, beaucoup fait. Et je fais l'université, moi, Miami. Et moi, fait parcours de échelle professionnelle, là, en commencé très petit, jusqu'à ce que qu'on y a. Moi, je crois qu'on te vise pas. Donc mon compagnie que nous c'est yon CCMS international c'est une compagnie qui représentait de grandes manufactures de portes et fenêtres à travers les États-Unis de l'Europe que nous marchons c'est les Caraïbes donc nous travaillons surtout dans les Caraïbes et n'a pas parlé de la Bahamas qui va jusqu'à Trinidad et donc et Turks and Caicos Cayman Islands et compagnie là il a enregistré aussi tout dans Saint-Martin compagnie là enregistré en Haïti donc nous plusieurs côtés non l'autre c'est CMS international là international tout bon pas besoin nous ouvrir toi ya mais et qui ça nous fait dans CMS international CMS comme nous représente de grandes compagnies en portes et fenêtres et donc c'est une spécialisation en portes et fenêtres donc au monde qui en Haïti ou bas de gamme moyenne gamme bon c'est plus moyenne gamme et haut de gamme moyenne gamme et haut de gamme si mon en Haïti là ou qu'on qui n'a motel toute porte à fenêtre qui n'a motel c'est moi qui fais ou en Haïti ou pour le cassation c'est moi qui fais toute porte à fenêtre pour le cassation intéressant donc il y a pour vous soumettre on fait plusieurs et résidences bureau de gamme et on parle de résidence privée là résidence privée ok ouais, donc depuis au moins des besoins font résidence à haut de gamme c'est avec mon bénéfice. Okay. Même plus travail dans les grands hôtels à travers les Caraïbes, là, Sandals Hotel, qu'on connaît, Beaches Hotel, c'est pour une fois qu'on a fait notre bureau. Okay. Donc, il y a plusieurs resorts que nous avons fait là, dans Saint-Martin, et Diamond Resorts que nous avons fait dans Saint-Martin, nous avons et Allegria Resort que nous avons fait dans Saint-Martin. Et donc. Mais Jeff, comment j'ai un client ça? Vous client ça? Voilà, c'est. Travail nous. Il y a une référence. Et pas ça encore. Pas oublier comme nous que représenter une grande manufacture donc c'est dans certains certains pays c'est moi qui représente exclusif. OK. Donc ça veut dire son monde besoin brand ça. Besoin brand ça c'est bon même pertinent pour passer par. Pas même. OK. Donc représentation du jouer dans le sens. Donc il y a un propre ligne partout et que me prend de l'Europe et on compare pas mieux le slim line c'est SLIME Slimline SLIME et USA donc et là qui propre et produit pas que mes propres label pas surtout que nous faire à travers Caraïbes que nous venons à travers Caraïbes. OK donc ça c'est Jeff l'homme d'affaires. OK. So mais et avant de rentrer dans la partie comme si chambre de commerce de base ça parle vraiment intéressé et baio mais et dis-moi est-ce que c'est facile pour un jeune comme si dans la diaspora, Capivoule, par exemple, dans Miami, pour lui réussir, comme si réussir ville financièrement. Est-ce que ce sont des choses faciles? Ou bien, je ne peux pas penser, par exemple, dans les États-Unis, comme si la Dubaï est facile pour lui. Est-ce que c'est facile, je ne peux pas bon, et tout est relatif. Tout est relatif. Parce que je crois que les États-Unis, vraiment bonne opportunité pour réussir.
et m'a peut-être pas comme exemple. Mm-hmm. J'ai travaillé pour une compagnie pendant des années et j'ai fait mon nom à travers l'industrie. Et mon compagnie qui est l'un de Atlanta qui dit que le besoin d'une branche et pour compagnie et pour export. Donc c'est moi qui m'ai choisi comme manager mon qui ouvre une compagnie pour moi. Commencer compagnie alors ma bonne histoire de CMS en 99 mon ouvre CMS pour une grande compagnie, une grande chaîne de compagnie à Atlanta. Donc en 2007 pendant que nous traversons crise de la récession, compagnie lui-même là pour organiser tête puis à cause de récession et tu vas faire même branche pas là. Et puis voilà que au free m'acheter. Bon ça moi là et yo dit succès c'est préparation qui rend croisé avec opportunité. Avec opportunité. Donc ou te gen opportunité hein, mon te préparé. Te préparé. D'ailleurs, ça me t'ai toujours fait même l'homme t'a travail comme démarcheur, m'ai toujours voulu apprendre pas toute facette pour qu'il y a qui gagne dans business là. Non, t'a préparé. On a préparé. Le moment arrivé en 2007, j'ai présenté mon opportunité à saisir. Bon d'ailleurs, Dieu m'a fait confiance que m'acheter un account receivable pour dette, son dette que m'acheter. Et son corps dit, on va parler bien net, m'acheter un goodwill, m'acheter un dette, et puis m'acheter un nom. Ok. Ok. Et puis moi-même, comme je ne connais pas, c'est moi-même qui devrais vous comprendre, je connais le marché, je connais le potentiel marché, je connais qui est fort en plus que je vais mettre là-dedans. Et puis, il me dit, OK, donc, m'a foncé, je suis à madame, je m'a foncé. OK. Et depuis 2007, voilà que nous sortis de, nous petit compagnie de deux mondes. Il y a gagné, et il y a 14 employés. Ça va être le subcontracteur. Il y a mon bah, Gigio. Ça a très intéressant. Et, un peu de fois, là, me dit Jeff Lozama, pardon, me dit Jeff Lozama, yo dit Ed Lozama. Ed Lozama, c'est famon, c'est frère ou c'est... Bon, et beaucoup voulaient dire ça. Ça fait un peu de ça. Par contre, si Ed doué personne, il n'y a pas de frère. Mais s'il n'y a pas doué personne, il n'y a pas de frère. C'est bon frère. Ok. Il dépend. Si Ed doué ou mon âme, il n'y a pas de game. Avec Ed, non. Ed, c'est unique. C'est l'aîné de la famille. C'est une de monde que moi, je suis très fier de dire. Alors, ce n'est pas le mentor, ce n'est pas le monde que je devais me lever. Et ma idolisé. Bon, c'est idole moi. Ok. Donc, inspirez. Donc, c'est un monde qui fait dans tout sens. C'est homme, il y en a peu de monde en Haïti qui connaît le système radio, qui connaît fait l'industrie radio. C'est il y en a un monde qui peut faire la donne. C'est toujours le petit monde. Et ma suivre aide, c'est aide inspiré ma pile parce que aide depuis à l'âge de 12 ans, elle a parlé anglais. Ok. Donc, le petit monde m'a regardé, je ne suis pas carré. Tant que mon révélage, je ne suis pas anglais. Mais nous étions pressés. Oui, Ed Lozama, c'est frère. Yep. So, Ed Lozama, c'est vous m'en rappelez, là. Vous m'avez pesé reject. Reject. Ok. So, voilà. Voilà. Oh, ok. Sorry. Donc, qu'on a là un peu deuxième chapeau qui c'est aussi ancien président de la Chambre de commerce haïtienne-américaine dans Floride. Donc, et dis-moi comme si et Chambre, là, et depuis qu'il a créé, qui ça que il a réalisé depuis, d'abord un peu depuis qu'on a question ça. Depuis qu'il a créé, depuis ça nous réalise. Chambre l'a créé en 2005 et c'est une première Chambre de commerce haïtienne-américaine qui a été créée alors, dans toute communauté que nous, bon, on connaît James, Miami, c'est une qui est plus forte. Population haïtienne, New York, Boston, Atlanta, Chicago. Donc, Chambre de commerce, HACOF, Haitian American Chamber of Commerce, c'est les premières chambres qui créées juste pour servir la communauté par là. OK. Et donc, Chambre, ça nous fait nous-mêmes, Chambre, ça a servi, ou qu'a dit comme un advocacy group, comme son chambre qui a défendu les intérêts de haïtien américain, de businessman haïtien, de entrepreneur haïtien, et donc tout ressource qui existe, soit au niveau fédéral, soit au niveau d'État, soit au niveau du gouvernement local, donc nous servir comme pont pour et entreprise aïe. Donc c'est nous créer des liens entre toutes les ressources aïe à membres.
ça nous fait tout nous essayer pour nous organiser membres nous présenter des workshops ou des ateliers pour assurer que des ateliers de travail OK ouais dans différents domaines pour nous assurer que nous préparer mais atelier ça aussi c'est Miami seulement ou bien oui Miami que nous faisons okay, par okay, exemple nous faisons des ateliers sur fiscalité nous faisons des ateliers sur contrat qui gens pour comprendre le contrat et de différents nous faisons sur et sous loi de travail que nous faisons tout okay. Donc, sous différents domaines. Est-ce que l'atelier ça c'est des ateliers qui payants et puis qui leur fait est-ce que sont bah, mensuels ou bien nous faisons mensuels et donc ils ouvrent pour tout le monde nous tout le monde qui ça vous fait pour ta membre chambre de commerce et bon pour ta membre chambre de commerce là on met garder ou garder les ça c'est hackoff.com www.hackoff.com hackoff.com pour aller et puis ou joindre l'application et sous site là ou remplir le web à nous-mêmes et puis quel différent type de niveau de membership ou bien de membre que pour appliquer nos caractères comme professionnel sont nous fait déraper sont professionnels qui dans collège ou bien sont professionnels qui travaillent au côté au besoin même chambre dans au caractère comme professionnel sont small business owner au caractère comme small business owner donc on corporate level tout ouais qui boit beaucoup plus avantage c'est membership après ça nous on dernier et on dernier niveau donc ça c'est pour les grandes compagnies les multinationaux qui fait partie de ça donc et chambre de commerce là pour me faire tout le monde connaît c'est pas ici seulement qui m'a là-dedans ah bien sûr c'est haïtien américain oui c'est haïtien américain il y a plusieurs entreprises américaines qui là-dedans et d'ailleurs presque toute banque Miami c'est membre chambre avec tout wow ok ça c'est l'information que Bank of America et c'est membre chambre là donc ça nous fait nous-mêmes à cause du réseau ça a aucune fin d'établir donc ça permet que même nous ait accès à une série de bagages donc là nous font soirée de réseautage par exemple nous font un network pour aller rencontrer monde dans tout domaine mais même si on a un réseau qui fait me quitter juste la Chine me couvre 4 milliards là me vient là parce que l'homme devine en 2017 me déboise sur 4 bon monde sérieux OK me dit ah si me voulais vraiment être connecté dans la communauté donc me pense que ça c'est une opportunité à ne pas rater c'est exactement exactement et nous gain membre nous gain pile membre qui est Haïti tout OK donc pour Haïti et comme nous dou chambre de commerce en va travailler seulement avec haïtiens actuellement chambre de commerce là les gon lien avec Haïti tout nous c'est chambre sœur de Amcham nous travaillons directement avec chambre de commerce et d'industrie d'Haïti nous travaillons avec chambre de commerce qui dans l'autre province CCI Nord chambre de commerce et d'industrie du Nord chambre de commerce et d'industrie du Sud et côté EA nous servit comme une sorte de pont pour le tout et une bagaille que nous fait très bien parce que nous bien organisé nous bien servi comme un lobbyiste comme un lobbyiste pour Haïti OK d'ailleurs on essaie de m'apporter une bagaille cet exemple association des industries d'Haïti qui récemment a besoin et renouveler Hope Hope Bill ma conseil au courant de ça la loi Hope qui permet de l'air exporter produits par pays taxe donc on connaît que c'est un bail qui était légiféré à partir de de congrès ici donc pour noter faire extension il y a des besoins des sénateurs et des deux partis les républicains et démocrates qui pour supporter le bill là et donc chambre de commerce à tous ces villes comme on prend là-dedans donc parce que nous-mêmes nous gain relationnons avec nos élus locaux, sénateurs ou locaux, permettent-nous d'avoir accès à côté que nous cas servi comme un lien pour Haïti par exemple. OK. So et dis-moi yon capteur de là, OK, Fanyo. On dit mon nom par exemple, surtout monde qui est aux États-Unis, haïtien qui est aux États-Unis là qui est sous la robe haïtien Haïti. Et qui avantage moun sa traga gen pou le vin mamb chanm nan? Pou ki yo sou moun nan mamb? Bon, d'ailleurs, nou ka santa fè tout moun konen. Donc, chanm de commerce li local. Chanm de commerce li local. Et ki veut dire li servi mieux avec moun ki nan zon liya. Et ou bien ou même ki la Chine tout ki besoin accès à communauté en Miami, moi chanm nan j'ai commencé déjà. Et ou moun ki an Haïti ki
qui besoin accès peut-être à certaines entreprises ici ou bien qui besoin compte qui ont monté une entreprise ici ou bien qui ont besoin sous besoin un comptable sous besoin un avocat et donc et sous besoin des professionnels donc chambre là c'est un accès que le cabaro donc ça pour besoin chambre là et mais ça nous essaie de faire tout nous essaie d'aider zones côté guerre et population haïtienne tout dans l'autre vidéo pour même pour commencer à établir pour chambre là. OK, OK. Donc nous-mêmes nous servir comme mentor tout pour aider l'autre communauté monter en chambre pour cadre pour mieux servir population haïtienne. Donc ça aide surtout côté que le monde comme New York, Boston, Atlanta, on te parle d'Atlanta avec contre balle dans notre ville Massonger. Ouais. Bon nous chambre là qui fait former dans sud-ouest et Floride là. OK. OK. Donc là on commence à gagner une communauté haïtienne qui commence à émerger. Donc tu commences à structurer tête. Donc nous-mêmes comme chambre de commerce ici, nous travaillons ensemble avec et de yo inspiré yo nou mentor yo côté kounya presque 2 semaines de ça au fait que nous gueux champagne intéressant parce que sur la chaîne là mais avec on connaît avec l'ambassadeur en fait représentant permanent haïtien en Chine monsieur la personne de monsieur qui là nous t'a parlé de la fait chambre de commerce ça et puis il dit monsieur ça que idée ça nous guère depuis c'est Jeff qui m'a mis idée et puis m'a dit mais ça me fait souffrir donc et que je travaille sur ça donc j'espère que probablement dans les mois qui viennent ou bien dans les années qui viennent à mon chambre de commerce ah mon cher moi-même comme d'eau m'a plu avoir m'a supporté ou m'a aidé que soit pour tout ce que me cadre mais disponible pour assurer que chambre ça établi la piscine à faire et d'ailleurs peut-être c'est peut-être une plus gros plus belle entité que Haïti a jamais gagné c'est une grosse chambre de commerce Haïti à l'Ouest. Il y a t'as intéressant ok ambassadeur sur sous dossier ça c'est ça donc n'a pas de moyens qui ça bail donc en fait même personnellement moi importance pour mon chambre mais que je pas vivre mal exactement ok moi juste en Chine même moi importance pour mon chambre et moi membre et je dis là c'est en qualité de membre que moi là que m'a participé dans l'événement là on nous parle de l'événement nous on est là le 19 septembre depuis là je dis mais maintenant ça est probablement un mois et demi. Même quand tu as acheté ticket, me dit ma blague. Ah ouais, c'est pour ça que vous avez acheté ticket. Ou bien, il va être là pour le ticket avion sur le ballon. C'est pour ça que vous payez pour. Ok, regarde. Ok, good. So, m'paye, puis me dit, ok, ma blague. Donc, comparé dans ma groupe, ok, nous sponsorisons maintenant tout. Donc, me dit ma blague, nous avons établi tout. Donc, me dit ma blague. So, et même moi, l'importance pour me venir. Donc, ça me permet de dire, mon capsule, nous là, c'est que. Genre d'activité ça, nous parlons de Top 20 Under 40, que même moi, j'ai été honoré en 2017, donc qui sont une très belle activité. Au côté, c'est activité ça qui vraiment vient nous connecter avec la communauté. Parce que je viens de croire avec quelques bons monde que j'ai eu contact avec eux, particulièrement même j'ai eu contact depuis la Chine, grâce à Johnson Napoléon, qui m'a dit merci publiquement. Ton cher cousin Johnson. Donc, ça vient de faire que. Mais même personnellement, moi, je suis venu parce que moi, ouais, 2017, ça a été gagné, moi, année ça a tout, a gagné des choses très intéressantes, surtout que, moi, je suis venu. Et Jeremy, Jeremy, encore une fois, c'est Johnson Avenue qui va me contacter, Jeremy, encore, et je dis Johnson, merci encore. Donc ça veut dire que, mais même moi, je dis non, Fabla, parce que tout le monde là, tout le groupe là, je dis Fabla, exactement. Donc, ou même cap suivre, et Jean-Luc Bazard, donc par exemple, moi, je crois que souvent, dans l'événement de 19 ans, moi, ma blague, Jeff Abla, et Jeremy Abla, et moi, je crois que Johnson Abla. Je crois que Johnson Abla. Toute l'équipe Abla, et de là, plutôt, a bien possibilité pour rencontrer jeunes à eux. Définitivement. Il y a 20 jeunes que la Ponoré. Parlez un peu de Evette. C'est parce que Evette, ça, comme si, il est mind-blowing. Comme si, je ne parle pas, il dit, il va nous être en sérieux. Comme si, c'est la Ponoré jeune. Parlez un peu de Evette, ça. Qu'est-ce que tu as fait historique, Evette? Comment on vient avec l'idée, ça, en top 20, et puis non, en top 20 under 40. Bon, top 20 under 40 parce que vous connaissez différents programmes qui ont des jeunes dans la communauté étrangère. Donc, moi-même, je suis président de la chambre de commerce. Je me suis remarqué qu'il faut nous avoir un moyen, il faut nous créer une plateforme côté que nous avons intégré les jeunes dans la communauté. Parce que ça nous a besoin de faire comme une communauté et nous avons besoin d'assurer que le futur de la communauté en direté est ferme. Nous avons toujours créé, nous avons assuré que nous continuité.
pour l'inviter dans la communauté haïtienne. Et seule façon pour nous faire, c'est pour nous commencer pour à intégrer les jeunes dans la communauté, pour nous faire un espace pour nous, côté que nous même nous avons établi, côté nous avons montré capacité capacité et puis nous avons même tout que nous avons montré, ou et puis nous avons capacité pour... C'est président, c'est ma président, si... Si Haïti si te fait ça plus, par ouais. Contre si on va faire ça, même bon, si on te fait ça plus, et nous te capis, ouais, parce que nous besoin, comme si jeunes, yo, parce que jeunes, ont une vigueur, ont une technologie, ont une base, avec sagesse des anciens, ensemble, pour nous capables d'avancer, parce que les anciens, ont une expérience. Voilà. Si nous avons comme moi-même, président, je dis que les communautés ont il y a un vide. On t'a regardé tout côté malé, moi c'est même que moi c'est même mon âge. C'est nous qui met dans le qui fait des fêtes, c'est nous qui fait des fêtes dans cette soirée comme si dans bien ce qu'on c'est même grand monde. Et puis me dit non mais c'est pas normal. Ouais, côté jeune et mon cher a pas après un voyage que j'ai fait en Haïti avec un groupe de jeunes, côté j'étais allé introduire peut-être plus à culture par eux pour comprendre Haïti. Et l'un retourné Miami, jeunes ça a décidé qu'on y a pour nous organiser. Donc moi-même j'ai pris un me dit ok, donc mes passions. On nous organise nous, on nous commence à entrer comprendre. Donc ces jeunes qui t'ont contacté ou? Je n'ai contacté moi-même te ouais ça tout parce que c'est ouais moi vide là qui existait et puis on contacte jeunes yo on prend un groupe de jeunes et puis on dit on nous commence à organiser et me songe première soirée que nous t'ai fait avec jeunes ça on nous a dit networking networking soirée de réseautage que nous faisons en 2015 et mon cher pour ce soir il y a 150 jeunes professionnels qui réunis. Waouh. Donc là ça a mis ouais que vraiment grand engouement. Grand engouement, yeah. Grand engouement. Donc ils ont voulu vraiment connecter entre eux-mêmes. Et d'ailleurs là regardez les communautés, soit on va parler aux communautés afro-américaines, ils ont même eu des programmes par eux. Et donc jeunes ça a voulu trouver à eux-mêmes, ils veulent connaître. On connaît mon fierté, tout mon fierté d'être haïtien, mon fierté haïtienne qui l'a gagné jeunes ça. Et connecter avec une de connaître là, bien que t'es pensé que yo pas que mon comme si si on était dans tel domaine pas que l'autre haïtien dans le domaine le vin pour dire vin va que gain le vin dans séance dans programme ça vin va que gain l'autre professionnel pareil tout qui existe donc voilà c'est là nous commencer à organiser et puis nous dit bon seul moyen l'un des moyens peut-être pour te honorer jeunes ça on te ca vraiment faire encourager valoriser et c'est pour t'appeler top 20 en 2 fois top 20 en 2 fois en salier c'est nous prend 20 jeunes à bas de 40 ans côté que nous honorer pour succès yo, ou bien pour contribution yo, soit au niveau civique, académique, professionnel, et puis entrepreneuriat tout, et puis nous créons une belle soirée d'honneur pour yo, et nous commençons ça en 2016, l'homme des présidents, et nous avons passé son petit bail comme si qui vraiment, nous avons testé le monde, est-ce que son bail qui a vraiment réussi. Mon cher James, et premier en 2016, j'ai gagné plus de 250 monde qui étaient venus. Wow. Et jeune ça tellement t'es content, tellement fier que alors forme de que jeune ça en pile là yo t'es gagné et tu es recevoir honneur déjà dans leur communauté. Yeah. Mais leur recevoir deux haïtiens pareil, ils ont une autre valeur. Définitivement, ils ont une autre valeur. Ouais, donc they're being honored by their own peers. Donc ça a commencé dans deuxième année, c'est un gros événement que nous tout. Et d'ailleurs, nous avons le président Jovenel qui est venu honorer jeunes ça pour nous en 2017. Et puis l'année dernière, nous dit on ouvre le cadre beaucoup plus large. On ouvre aussi une cage où des jeunes au dehors de Miami qui ont même fait un travail colossal dans la zone côté eux. On dit on honore et tout. Et nous avons une chance d'aller en Chine. Et puis l'homme arrivé en Chine, je dis, on a fait un travail extraordinaire. L'homme retourne à Chita avec mon conseil bord là. Et Chamblan me dit, on me présente et James, me parle de James, fait James voyait que l'homme vite le boulot. Et puis on dit que l'idée important pour te renouer James. Yeah, m'a changé. Donc c'est l'année passée. C'est 2017, c'est 2018. Et on a honoré deux mounes sur son jet. Yeah, m'songe. C'est eux-mêmes avec un joueur professionnel de football américain. Yeah. Ok. Donc ça avait une tradition pour nous. Pour les années ça, nous avons deux mounes et trois mounes que nous avons honoré années ça. Nous avons deux fils aimés que nous avons honoré. Ça, c'est international.
défis mais local, M. Washington lui-même. Uh-huh. Et puis, au niveau international, nous avons Edzer Emil qui est passé de présentation. Uh-huh. Et puis, Karel Ped, tout qui est passé de présentation, que nous avons honoré. Oh, ok, ok. Maintenant, c'est Karel Ped qui est à la table. Ok, ça a été intéressant. Donc, ça a été avec Karel. Je l'entends pas avec Karel. Je l'entends pas avec Karel. C'est un homme qui est le Wisner Télérus qui était tout avec Karel. Mais ça a été longtemps. Ça a été longtemps. So, donc, et fait ça, c'est le 19. Et bien, ça, le 19, la fête dans Joe Celestin Center qui est dans 15-25, notre 135e sud de notre Miami. Et Joe Celestin Center, Joe Celestin, c'est une première. Alors, il n'y a pas une première, c'est que tu es première et magistrat haïtien. Dans la ville de notre Miami. Dans Miami. Dans Miami. Premier magistrat haïtien dans Miami. Okay. Donc, on a un bel centre de. Qui porte notre monsieur. Ah, donc, c'est là que nous faisons. Encore, juste pour nous kakembe, même culturel, nous kakembe. Nous avons tout événement haïtien. Donc, nous faisons le Joe Celestin Center à l'ESA. Qui est très intéressant, qui est très intéressant. Joe Celestin Center, c'est là que nous avons fait en 2018? Non, nous n'avons pas fait là en 2018. C'est la première fois que nous avons fait le Joe Celestin Center. Intéressant. Donc, ça veut dire, nous avons fait le 19, ok, toute équipe là à plat, le Joe Celestin Center, donc, ou même qui t'aime et vini, qui m'a amis déjà vini, ou même qui parle à mi t'aime et vini, qui fait même genre avec un petit qui est vini, vini, ok, et combien de commentaires? Et 75 dollars. Surtout le calibre que vous allez rencontrer en dedans, connexion que vous allez faire en dedans, c'est des choses comme ça qui n'ont pas un prix. Qui n'ont pas un prix. Ok, les gens de relation que vous allez développer en dedans, ok. Donc, et faire effort à ça même sur Kavini, ok. Et parce que là, nous connecter entre nous-mêmes, nous parler, ok. Donc, ou marcher avec quatre business ou bien. En fait, venir avec l'idée pour faire contact, pour faire une action. Exactement, parce que là, on va jouer en contact avec presque 350 Haïtiens. Et Haïtiens qui ont débrouillé très bien à Miami. Des jeunes qui. Alors, si nous avons des postes, on va rencontrer des jeunes. Alors, nous avons plusieurs avocats, jeunes avocats. Bien, là, je vais le monter. Ok. Ok, Benny. Bon, et nous avons des élus de. Et élu dans la ville de North Miami Beach, nous avons plusieurs avocats là, nous avons des bankers des banquiers et qui ça encore, nous avons entrepreneurs dans l'histoire là, je vais regarder des photos et nous avons des jeunes qui n'a non profit, des exécutifs de non profit. Quel bel monde voilà, est-ce que nous gardons ce visage de baba. Non, mon cher, critère pour venir dans le top 20 de Fordy, hein, c'est un critère qui est assez rigide. Ok. Donc, parce qu'il faut soumettre l'application, il faut soumettre ses vidéos. Et puis, il y a un comité lui-même qui passe ses vœux là, en train de faire. Ok. Ok. Regardez, il faut qualifier vraiment pour reconnaître tout comme top 20 de Fordy. Ok. Et donc, nous avons un représentant de sénateur et Scott. La plateau avec nous. On va parler du sénateur américain. Sénateur américain. Ok. Et c'est bien possible, nous, qu'il y ait un représentant et sénateur Rubio, tout que nous connaissons. Nous confirmer. Et puis, nous gagnons nos élus de la ville, la plateau. Donc, c'est une possibilité pour vraiment faire de très belles rencontres. Non, définitivement, pas vraiment, c'est ça. Donc, pour 75 dollars. Et pour venir nous rencontrer avec moun sérieux, ok, moun lou, pour bien connecter, et nous connaître l'envie, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es, voilà, ok, voilà. Son bar qui est vrai, donc, ou même, si vous êtes intéressé, c'est 19 septembre, et ma map, disons ça depuis bien longtemps, depuis probablement un mois là, chaque me fait live, nous tout essayer de parler de ça, voilà. Parce que même dans un premier temps, mais comme si plus moun vient encourager 20 jeunes, ok, des jeunes même gens sont avec moi qui ont 40 ans et puis cap défoncer pour faire bah sérieux, surtout nous connaît que c'est bon bah comme c'est qui facile. L'essayer comme si percer ou sont aucun monde qui va là contre le courant. Exactement. OK, donc et c'est une fois comme si mon n'a pas de support même dans la famille. OK, là ça va faire probablement la fond bah qu'elle aimer ou bien ou bah que probablement que pas elle doit pas fin. Ou est-ce que pour annoncer notre profession, ouais, donc on a là le gain de l'activité, ça, au côté qu'il y a pour nous, les jeunes, les mêmes cap frappé. Donc, même, c'est à encourager et que, ou même, non seulement on vient pour encourager les jeunes barres, ou bien, ou même si tu as bien plus que 40 ans, on vient comme si pour encourager les jeunes, ça, mais en même temps, tout,
et ou même toi vienne faire connexion on vienne faire bâtir voilà relation. Voilà mm-hmm. voilà alors mais encore tout ces jeunes ça nous n'a pas nourri mm-hmm. parce que et ça fait valeur nous comme communauté mm-hmm. c'est donne que nous garder jeunes nous mm-hmm. nous et pas pépinière seulement que rien on y a là nous des jeunes qui commencent à prendre place qui commencent à bien représenter nous là dans mm-hmm. dans la communauté là yeah, parce que c'est actuel président Macron chez 40 ans. Et actuel président de chambre de commerce. Non, actuel président, c'est son d'abord. Mais nous avons, par exemple, Doty Joseph qui est dans le groupe et que nous avons honoré pour l'année dernière. Doty Joseph, c'est une graduée de Yale University qui fait. Yale? Ouais, j'ai passé Yale. Doty fait école de loi dans Georgetown University. Et Doty, Kounyala, sont élus. C'est une. Et député pour nos États de Floride. Wow! Donc, un jeune à bas de 40 ans qui est député pour nos États de Floride qui représente la communauté noire. Donc, où est-ce que ça va? Non, on va qu'être pas, on va qu'être pas. Donc, et nous avons des jeunes là qui ont un cabinet et avocat par eux. Et nous avons des médecins dans l'Islande. Donc, encore, c'est pour nous. Et Kounia là, nous arrivons dans la quatrième année, nous, ouais, nous 2016, 2017, 2018, quatrième année. Donc là, nous gagnons, nous avons un recensement de 80 jeunes. Déjà. Nous connaissons, que nous honorons, que nous connaissons qui commence à investir dans la communauté. Hein. Ouais, et d'ailleurs, nous même bah, ça a tellement son fierté lié pour nous. Là, nous venons avec tous les amis autour. Ah oui, il y a toute connexion. Ok, là, il y a l'année dernière. Mais personnellement, c'est le 19, je viens tout pour participer. Je vais tomber avec la caméra, je vais commencer à filmer, faire du tout à live, je vais présenter nous, et ça, mon que je vais présenter nous, mon que je vais arriver à gagner accès avec eux, parce que le moment, c'est à renouer et mon yo. Donc, mon yo, tiens, busy, but ça me cache, je vais grabber, je vais mettre ça. Et puis, je vais parler de maître de cérémonie. Maître de cérémonie, nous, c'est James Pierre qui était une jeune que nous avons nommé l'année dernière. Yeah. James Pierre, une jeune qui est sur Jérémy. Qui kounya ka fait valeur communautaire parce que monsieur dit même c'est dans média que lié. OK. Dans média que lié. James kounya là monsieur sou bon monsieur dépasser niveau haïtien net. Kounya monsieur dans média c'est dans média espagnol que lié. Je parle espagnol très bien. Et langue importante. très bien. Et James Pierre kounya monsieur a fait réclame conseil de grande compagnie. Monsieur a fait réclame le jour pour ESPN. Wow. OK. James Pierre pour ESPN. Wow. Et me fait quoi aujourd'hui encore on l'autre gros entreprise que James a fait réclame pour les Kounia. Wow. Donc on parle de ça Wanda Gil qui c'est une l'Union Suite au sud l'Union Suite qui c'est et une, okay. Wanda Gil c'est une c'est maîtresse de cérémonie tout qui a accompagné James c'est un jeune qui passait de présentation. Pour ça, on agile que tu as fait pour connexion au niveau de réseaux sociaux. On agile, c'est un danger là, c'est qui est plus connecté. Wow. Ouais. Donc, voilà. Donc, très intéressant. Bon, regarde les questions. Jeff, bon, regarde les questions. OK. Gézé Mictar, me parle ensemble avec moi sur le projet business. OK. 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 OK, donc moun ki t'aime parler comme si de business de ba la Chine. OK, allez sur calendly .com de China, like China app. OK, so vous capable book moi. Par contre, si gen place toujours parce que m'a regardé depuis temps mal dormi. Donc mais de à partir de monsieur m'a commencé rencontre demain après demain 17-18, j'aime dire pour maintenant. M'a commencé rencontre, c'est des meetings de 20 minutes qui gratuit. Si vous êtes intéressé avec comme si fait business sur la Chine, donc ou ka vini comme si ou book moi et puis nous ou vini dans chambre de commerce haïtienne américaine, OK, donc et ou ka sous visiter site là sur Akof pour ka gagner de ça, OK, et Akof là c'est HADCOF là derrière la dame défilé là ou ça me fait là pour défiler mon capable boire. Donc OK, nous capable book moi et puis nous capable venir pour nous. OK, il y a plusieurs monde capable. Ouais, il y a plusieurs monde qui book moi déjà. Donc monde qui book moi vient à l'heure. Par contre, ça regarde live ça, but anyway, final à l'heure parce que c'est des rencontres de 20 minutes. Faut parler de monsieur qui soit juste dans une tique. Il y a il tue qui vient voilà. Nous se passe avec là.
OK, donc et c'est au fond fait pour moi là, après ça fait comme si j'en de base, on est venu là, on est en meeting. C'est un meeting ça en là avant que nous fait live là. Donc il y a une opportunité sur Trek and Kaitos qui est ouvert pour à la fois pour amis lui même pour connexion en Chine même pour connexion Trek and Kaitos et c'est ça même qui t'a mettre il a Kaitos dans plan pour aller au Chine. Voilà. Et Saint-Martin tout sur Nelia là. Yeah. Définitif. So donc et bah il a bougé. Donc bah aussi le relationnel lui. Donc c'est ça fait même encourager tout le monde sur Cavini et dans l'event ça si moi on peut mettre tout on pas contre là son problème mais genre 15 dollars américains sérieux et on va c'est probablement c'est temps qui probablement c'est temps qui peut être qui quand empêchement mais ça pas que c'est problème donc et si temps bah on est carré où comment déplacer venir le 19 déjà il y a 350 qui réserve place donc on va c'est Jocelyn c'est capable de faire ça oui le gars plus que 400 monde capable de 400. OK, donc ça veut dire que madame plus ça nous venir et puis n'a quoi là avec les China monsieur Branchy. Bon, sous fait fin sous live ça tout normal c'est James Cisneck China monsieur Branchy le chiffonnier mais avec et Jeff Lozama mentor moi avec une mentor que moi gain qui a pas non puis là fait la relation humaine. Voilà, relation humaine. OK, donc très intéressant et donc m'a venir là dans le bureau lui ma ami, OK, CMS international qui s'est comparé que monsieur était à formé. Et puis après ça, il vient jeune opportunité en 2007. En 2007, mm-hmm. L'acheter mon variant pendant que tu as une crise. Donc, pendant que tu as une crise, et puis c'est la jeune opportunité en pool de trigger et puis l'acheter. Bon, je pense que quand tu fais un mouvement, ça. Son mouvement comme si côté que moi crise et wash ton copain c'est pas tout bas il est facile il est pas facile du tout c'est pas un peu de réflexion un peu de réflexion un peu de réflexion mais comme je me suis de tête moi ça c'est une monsieur de marché on connaît que récession va durer longtemps OK donc on s'est rien pendant deux ans comme donc pendant deux ans jusqu'à peut-être deux ans et demi c'est moi avec mon seul emploi et nous deux seulement ouais ah oui moi j'étais manager salesman comptable ou tout bas ouais ma produit forklift ma fait conteneur donc et quand même des comptes qui vont me travailler t'as pas mis la veille même jamais la madame nous commence à nous et nous deux en là et nous deux en là et nous fait tout bas même mon petit photo côté ma load marchandise le conteneur me retourne ma load marchandise donc un sacrifice pour nous donc il y a mon qui pense comme ça entrepreneuriat des mon vinou entrepreneur et rapidement bah on va bel dans mon bah ça souvent c'est ça arrive pour quelques mon même bah dit non mais dans la majorité des cas 99% des cas ce n'est pas le cas et d'ailleurs et chaque cas monde pas l'unique oui différent chaque cas monde pas différent côté ça fait que nous n'a pas comme dit mon qui dans entrepreneuriat tout pas copier. Oui, c'est plus mauvais bar. C'est plus mauvais bar. On va pas garder gym, c'est vous même qui dans la Chine, la soirée à faire là pour me dire bon, je vais faire ça gym après tout. Naturellement non, on va jamais capter parce que gym investit la pile pour apprendre soit faire là pour arriver côté rivière. Moi même depuis des années, on a investi ça depuis 90. Wow. Donc, j'ai une relation que m'établit depuis des temps qui peut être arriver côté rivière là tout. Ouais. Donc mais en plus sacrifice pour mon réussir dans entrepreneuriat. Yeah, en plus ça, non, en plus sacrifice. Et persévérance, il faut qu'on bouge les gens à faire tout parce que c'est mon bail qui est facile. Il n'est pas facile, il n'est pas facile. Et surtout que c'est vous qui me mettez tout. Et donc là, mon cher, par contre, vous passez cette crise là, parce que vous avez fait commencer. Vous avez fait une fin de deal là, vous pensez quoi faire un quoi? Ou pas faire un? Ou même perdre du corps? Ou perdre du corps. Et nous songeons que le premier gros projet, n'a pas des projets qui n'a, si je dis ça, peut-être million. Ouais, le premier gros contrat, je vais faire qui n'a million plus. Et puis moi, je suis chaud devant maintenant. Et puis, mon projet, je suis prêt pour lui. Mon projet, je suis prêt pour lui. Pour contrat. Je suis prêt là-dedans, mon cher, béqué. Béqué, je perds du corps, mais la seule chose que je connais, c'est que je fais moins final. Du fait que j'ai expérience ça m'a fini et puis note ça du fait que fini tout bonne note tout parce que qu'il y a là une série avec projet ça comme référence qui vient même beaucoup le projet il y a définitif et c'est on est ouais pour monde parfait comme si dans business comme si on était en temps engagé dans bagaille et puis qu'on a là du fait que ouais que on perd du corps mais bah quelqu'un et puis qu'on a là ou lagué ou pas fini soit dit ou pas fini le bout engagé au fort fini le bout engagé au fort fini fini bah résultat même le ça t'a coupé la poche et ou bien t'as break even mais
et non seulement on prend expérience là et puis tout et tout parce que chaque soir faire les portfolio les portfolios et d'ailleurs on va regarder en pile institution tout et pas regarder comme si on doit avoir un chiffre d'affaires un chiffre d'affaires ou pas une expérience là là ben quoi plutôt quoi ça vraiment pas que c'est juste une expérience mais de 3 ans de 3 années on a un chiffre d'affaires qui doit pas être bel aujourd'hui là même pas représenter un pile là aucune valeur réelle pour banque là banque va regarder historique ou regarder 3 ans pour regarder qui ça ou même qui était engagé pendant 3 ans et puis c'est à partir de là lui-même il va connaître est-ce que le cas débloqué comme ça pour le dynamel donc il demande pour vraiment arrêter comme d'abord pour persévérer pour focus fort que ta Yeah, donc même m'encourager tout le monde qui voulait faire entrepreneuriat ou là qui connaît l'entrepreneuriat mais pas penser comme si son bail comme si on est pas arrêté là et puis on va faire succès et puis on va aller éclater comme si overnight bail va fonctionner pas ça que le soir on est plusieurs soirs et pas dormi ah oui mais même toi plusieurs soirs on va dormir parce que comme nous et nous partis nous pas nous pas timide pour nous parler ou bien nous pas tromper on va le faire mon peur mais quand même parce que l'on va regarder et donc mettons que comme on dit tu es pensé ou tu es planifié pendant l'année ça ou tes projets ou font projection mais qui sont pas fait pendant l'année ça hein 6 mois pendant l'année on peut quand même arriver à moitié projection beaucoup même vers la projection aux abdos et dans le troisième quarter on peut qu'on ouais on fait à moitié aux abdos donc il y a encore comment c'est sauté donc mais faut toujours être on persévère on toujours on frappe on frappe et des fois ces derniers 3 mois ça a éclaté Donc si tu commences à give up depuis le deuxième quarter, tu pas le troisième quarter, on va le faire, on va le faire, on va le faire, on va le faire, on va le succès. On va le succès. Donc c'est persévérer. Et puis moi, je me toujours dit, c'est assurer que vous comprenez ou apprenez l'industrie. Il faut investir pour apprendre le marché qu'on a dedans. Définitivement. Et sous la technologie, investir dans la technologie. Moi-même, moi, dans la porte de ces fenêtres, je me dis, nous prenons un avion, bon, je me dis, juste. Et Cypre, c'est ça? Cypre. On côté lui, en Europe. Les fournisseurs en Cypre. Oui. Produit que nous avons besoin, seul Ligel. Pour la fin, c'est Cypre. Mal des gros fournisseurs là. Wow. Owen, qui viennent déboucher sur l'autre et compagnie en Espagne. Tu vois? Et donc, que ce soit côté lien, il faut qu'on déplace tout, il faut qu'on apprenne, pour qu'on investisse dans l'industrie, pour qu'on arrive. Mais Chita fait entrer dans l'entrepreneuriat pour ne pas investir là, pour investir dans la tête, parce qu'il faut investir dans la tête. Non, définitivement, il faut investir dans la connaissance, la relation, tout le temps. Ok, so, bon, c'est un peu là, nous t'ai partagé live là. Donc, Jeff là, il est là, et Jeff est là, Kylie. Même là, on va dans notre meeting avec quelques amis. OK donc merci d'être côté branché moi c'est côté partager live ça parce que ou like live là tout votre faire ça tout fait ça OK même le live va pas fini de toute manière l'autre monde qui vient il y a toujours regarder replay là et moi c'est que gain bar que nous dit là qui a capable encourager en pile monde OK parce que nous même ça l'a fait c'est pour te rebrancher aller là pour motiver former et former OK motiver parce qu'on est que comme si entrepreneuriat et développement personnel bah ça est pas facile parce qu'on aller à contre courant OK donc et nous là chaque jour entendez nous tout une petite vidéo m'a posté bah ça cap encourage cap tout keep pushing et formation nous gagne des formations que nous fait des cours que nous mettons en ligne en fonction de deux marchés hein, ça nous même nos besoins par exemple là on a travaillé avec cousin qui nous on a travaillé sur son cours Facebook OK mais et nous commencer en série là soit faire comment vous faites publicité sur Facebook voilà OK donc et publicité ça et série ça est gratuit et on a fait 4 samedi n'a pas on a fait premier samedi donc trois autres samedi gratuit si chez ça nous gagne pour venir avec un cours et qui gagne des techniques beaucoup plus avancées que qui a payé mais déjà ça nous va bailler en formation gratuite ça ou gagne assez de base pour aller faire bah très bien très bien OK donc on a la souple pour technique avancée pour aller plus rapide OK pour aller acheter et que mon yo attend de sortir là que offre fait ça que et programme ça quoi par là ou sur Facebook là parce que moi même après avec mon agence là c'est agence qui a fait tout le travail ça pour moi dans Facebook donc que soit photo et dans Caraïbes là le groupe taper alors
code words, ou de ou gal, tape fenêtre, c'est CMS qui a porté. De ou tape impact, c'est fenêtre, c'est CMS qui a porté. De ou va tape hurricane, c'est CMS qui a porté. Ou ben, donc, et nous payons agence en pile pour faire travail. Donc, sou ka apprenne ni, nan men James, ou même pou ka économiser tête ou de et peut-être même ou même créer agence pour. Parce que l'on finit par ça, ou gen connaissance, ou ka commencer créer agence et Jeff, même, nous commençons one man show. Après, ça, nous prenons premier emploi, ou à fonctionner, puis au fur et à mesure, à grandir, ou gen plusieurs, ou gen plusieurs, même, gen des dizaines d'employés. So, donc, on fait ça comme si vous capable de dire nous, et bagayo, yo mande, Jean-Jeff vient, yo mande, comme si, forme compétence sou, forme connaissance sou, gardez quoi qui doit même qui intéresse sou, dans nous même qui intéresse sou, dans chercher information. Et je dis là, nous voir avec la bimou sa grâce à Internet, vous avez une information et ou kajoune sou Internet en attendant que ou même ou gen les moyens nécessaires ou même pour aller à, sous place pour aller conseiller les bagages. Encore, James, ça nous besoin et ça nous met en face sous tout, ou se vous dit à l'heure tout, entrepreneuriat, les moyens c'est relationnel là dans tout. Important. Si vous chita, dans ces quatre mousses là, et vous ne pouvez jamais mettre dehors pour faire de nouveaux contacts, pour aller faire de, pour aller dans une soirée de réseautage, pour faire partie de chambre de commerce, faire partie d'association. Oui. Et c'est à travers ça qu'on peut le bâtir. Clientèle loi. Définitif. C'est à partir de ça qu'on va bâtir clientèle. Et conseil de fournisseur pour pouvoir jouer tout, c'est à partir de ça qu'on va jouer. Exactement. Ou pas, j'aime quand tout le temps déplacer ou aller loin, mais sur notre communauté, par contre, il y en a, on va assurer qu'on fait partie de chambre de commerce dans la zone, on fait partie de groupe professionnel dans la zone, on fait partie de. Ou qu'on qui est, on n'a pas que moi, m'assurer que je fais, on qu'on qui est qui est l'union dans la zone, on n'a pas une décision pour moi. Yo. Ok. On n'a pas une décision pour côté me situant là. Ouais, mais estime là dedans. Donc si mon gon monde qui pour le brillon poste comme magistrat dans son boys là là, m'a prendre comme qui est souillé, si moi que ou gain ou ca répondre à exigence pour être magistrat, moi m'a supporter ou qui veut dire avec un chèque pour la campagne. OK. Si on ne va pas pour après faire. Après faire pour supporter élu parce que finalement c'est élu ça va décider. Pour le business ou en cours tout. Donc, si vous avantage qui présente tout, peut-être l'autre chita avec l'autre fait un fonds de réseau pour les lacs à ou, l'absongé ou, définitif. Donc, c'est une bonne chose. Dans le cas, nous avons besoin. Je connais peut-être la culture nous en Haïti. Mais ma parole avec Tim, et surtout avec. Avec diaspora. Diaspora, Marami. Et mon cabal de Chili ou de l'autre côté. C'est investir dans la communauté et dans la municipalité ou là. On qui est-ce qui représenter ou dans la municipalité ou l'autre pour qu'elle supporte ou l'autre. Définitif, définitif. Donc, je pense que, en plus, l'information tombe là, je pense que vous bénéficiez du vert côté ou bah nous t'en. Mais parce que c'est ça, on va essayer de faire. Chaque l'heure, nous faisons live ou bon ton, on va essayer de bon, valeur ou temps. Parce que tant vaut plus que l'argent. Donc, du vert côté ou bon zoé ou t'en dé, je pense que soit t'en dé à là, et ou après intéressant ça m'avait le cœur partager là avec l'autre monde pas qu'un peu seulement partager là avec l'autre et pour l'autre aller même étant des tout et puis comme ça c'est beaucoup de nous a bénéficié et puis grand pile bagage que n'a comprendre grand pile bagage que n'a pas fait. OK, so et moi même nous en pile donc Jeff m'a connu sur un dernier conseil pour d'aller même bail jeune et mon cher m'a dit jeune c'est qu'embé là c'est et moi j'ai une petite chance. Et mon frère ça gagne un an et demi comme des fois on visite Chili et pour nous faire comprendre la dynamique de qui ça fait haïtien à émigrer au Chili et pas pour le monde qui Chili seulement que va parler mais et pas bien jeune c'est nos futurs c'est nos futurs zones côté nuance c'est nous qui et futures communautés que n'a évolué là dans là et nous mêmes tout faut nous comme James a dit tout à l'heure faut nous apprendre de nous mêmes qui plus grand passer mieux parce que nous avons ça est-ce que nous gagnons plus sous mais nous mêmes faut pas peur pour nous foncer pas peur foncer pas peur essayer pas peur faillite et sous comme c'est aujourd'hui là investir nous sommes à investir s'il pas marché pour aujourd'hui là on cherche à nous pas prendre ça comme si c'est lui qui pour le point final là ou taper encore parce que jusqu'à ce qu'on rejoigne ça qui pral marché pour jusqu'à ce qu'on là. C'est de persévérer, persister. Et ma petite tout le monde, était dans la prière, tout prière clé. Bon diable. Et puis, là, il y a tout le monde. Plein de business, là, il mettait dans la même voie du tout. Et puis, lui-même, l'a organisé. Et bon, même ça, c'est notre sujet. Je ne sais pas si on a bien débattu ça, mais je ne sais pas comment on ne fait pas. Pas comme si pas fait la planche, mais bon, je ne sais pas si c'est ça. Mon cher, moi, je dis tout le monde qui a suivi là, c'est une bague qui fait partie de la vie personnelle. Pas commencer
journée sans pas faire dévotion. Mais même toi. Chaque matin, avant tout bagaille, faut moi entrer dans un moment de louange. Pour prier. Pour me mettre louange, me chanter moi-même pour quoi, même si tu as fait musique, moi m'a loué mon Dieu. Après ça, m'entendre la prière. Et puis, on va regarder que journée on pral cadré à partir de ça. Ouais. Parce que ça vient d'une disposition, une disposition d'esprit qu'on a, qui vient permettre de dealer avec tout ça qui arrive pendant la journée. Et moi, je me dis, je ne fais pas prier pour quelque chose, je prie pour petits détails. Premier coup de film, je vais recevoir. Ça va me battre ça. Premier coup de film, je vais recevoir. Parce que le cas dérange. Il y a définitif. Il y a son problème. Qui va le conforter, pour le goût, le va conforter pendant la journée. Mais sous pas de prier, bon Dieu, pour prier, bon Dieu, pour sagesse avec mon esprit et disposition, pour mon Dieu, mais travail, pour le monde, ça, il vient comme une menace et pour qu'il y ait une menace en toute ville, une opportunité. Ok, yeah. Et me prier pour interaction avec l'employé. Pour moi, toujours été un rôle model pour l'employé, pour moi, inspirer. Je prie pour mon capitaine de notre téléphone. Donc, ma bonne petite bête, excusez-moi, non, ça m'a appris là. Il m'a fait avec mon client pour la première fois. Après, Cyclote qui était passé ce matin. Okay. Hôtel, qui va l'investir pour mon corps. Je n'ai pas connu en peine. D'ailleurs, et par contre, qui boit un téléphone. Et puis, je voyais bid moi pour dire, je voyais proposition pour dire tout bas et ça. Et puis, finalement, monsieur passe une très grande commande avec moi. Et puis, mal rencontré monsieur avec ce matin. Et puis, finalement, je me pose une question. Je me dis, monsieur, qui j'en vais t'en parler de moi? Monsieur dit, mon cher, premièrement, je t'en ai parlé de l'industrie. Et deuxièmement, je garde les réseaux sociaux et présence sur les réseaux sociaux. OK. Et moi, au son comme deux fois, et ça fait un bon commande. Ça a été intéressant. Donc, votre comportement, yeah. C'est une bague qui était attiré, monsieur. Intéressant. Mais bon Dieu avant tout. Mais bon Dieu. Mais depuis que tu as pour une raison quelconque, me lever et me parler à quelqu'un, faire dévotion, mal à l'aise. Mal à l'aise. Bon, j'ai pour longtemps. Pour faire. Exactement. Yeah, non, mais exactement. Je peux oublier tout, mettons que ma voyage, avion, le petit en avion, mon cher. Je fais affaire. Mais même l'avion, je fais. Oui. Je veux dire, de l'avion, je vais venir et je vais me faire. Voilà. Yeah. So, en tout cas, notre débat, il va essayer de faire quoi là. Encore. Nous avons une information. Donc, jette pour nous, pas tant de paroles là seulement, mais agis. Ok, par exemple, soit comme bon Dieu avant, comment c'est mettre bon Dieu avant dans tout ce qu'on fait et même là m'apprendre même petit détail, pas c'est comme si détail, comme si bon Dieu big picture, ouais, et détail, livrer là dedans tout, ouais, parce que c'est petit détail, parce que nous disons ça succès assez. C'est tirer fort fait chaque jour. On veut dire l'équipe qui va beaucoup gagner chez succès au valeur de mai, OK? Donc on ne sait pas battre en un jour. Donc merci à vous les sortez branché, OK? Donc et bonsoir pour conseil Jeff là et même les China monsieur branché le chiffonnier m'a approuvé message et que suivez branché sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram et branché sans mes pam à la prochaine. À la prochaine.